Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Depuis quelques semaines, la PNH est devenue la cible principale des bandits armés. Plusieurs installations de police ont été attaquées. Deux inspecteurs divisionnaires ont été assassinés. Des policiers sont portés disparus. Hier, dans l'après-midi, vers 3 heures, à la rue des Salines, qui se trouve à Delma 32, le porte-parole de SPNH 17, Gerbi Geffrard, a été assassiné. La PNH déplore cet acte crapuleux. D'après les premières informations recueillies par la PNH, un rassemblement a été prévu afin de commémorer la mort du policier Luxon Bateau qui a été assassiné en juillet 2020 dans la même zone. Le porte-parole de SPNH 17 était en train de faire les préparatifs. En réaction à l'assassinat de Gerbi Geffrard, ses alliés ont concocté la fusillade de ce matin, qui a entraîné la mort de 15 paisibles citoyens. Parmi les personnes qui ont été assassinées, on retrouve le journaliste Diego Charles de la Radio Vision 2000 et Madame Antoinette Duclerc. La PNH présente ses sympathies aux familles des victimes. Nous rappelons à tous que la PNH ne saurait tolérer sous aucune forme d'actes de représailles. La PNH est là pour retracer tous les auteurs et co-auteurs des crimes. Une enquête est déjà ouverte afin de faire la lumière sur ce drame. Après quelques mois de filature, arrestation, ils ont nommé que nous étions les Dabouz et jeunes. Bon, pratiquement, l'équipe communication, hein, félicité de CPJ pour le travail qu'a fait en ce sens. Parce que nous, de nos jours, il y a un pile nègre qui est tombé dans la filière. Ça veut dire que, tacitement, bon travail qu'a fait et bon résultat qui joignent. Nous déclinons nous-mêmes dans SNGRS, nous fait connaître à toute la presse, à tout le public là en général, que le nommé Dabouz et jeune, il n'est pas sur liste de payroll, non, il n'est pas dans le registre SNGRS et identification que le gagnant de SNGS là, les révéler faux. Actuellement, identification qui est valable, c'est l'identification qui gagne SO SNGRS avec la signature de Jean-Rony Duvelsin comme directeur général. Donc, nous pas gagner pour nous ni de près ni de loin avec un badge que l'individu a détenu dans main sous prétexte que l'a travail ou l'étape travail dans SNGRS. C'est très facile pour un monde naturellement abuser le doigt pour le faire un faux badge et dire l'a travail tel ou tel côté. Événement ça, il y aura eu ce souvent dans le pays. Mais heureusement, le CPJ a fait travailler. Et nous pensons qu'au fur et à mesure, il y aura encore d'autres faussaires qui prennent habitude, font genre de bagaille et puis mettent le pays dans une insécurité généralisée. Donc, pour la vérité, cet individu ne travaille pas à SNGRS et nous tenons à faire la presse comme ça, à faire tout le public là comme ça, et nous tenons tout à féliciter
monsieur dame de la police, surtout de la DCPJ, qui a fait un travail efficace en ce sens. Jean-René Duvelsin fait pré-fonction comme directeur général. Moi-même, par exemple, qui parle avant la serviteur ou à l'Acadet, nous avons longtemps que nous, dans l'équipe communication, nous sommes membres cabinet. Ce n'est pas un monde que je vais envisager, ce n'est pas un monde que je vais non. M'apprendre de même d'abord qu'on a interpellé un certain Darbouze Eugène en possession d'un carte de SNGRS qui dit que le DAP travaille là, d'ailleurs il y a d'autres cartes dans mené. Et qui a fait malversation, parce que d'ailleurs son aide qui était à chercher, parce que monsieur impliqué dans un enlèvement, il y a un médecin, nous avons dit ça, a été fait la une de l'actualité. Donc, c'est plein de ça qui est maintenant abouti, et puis nous venons que monsieur a évolué tout sous le nom SNGRS. Donc, nous pensons que le temps, effectivement, pour que la police mette bouchée double, pour finir avec de telles pratiques, en sorte que chaque fois un individu a tenté fait un faux badge, pour le penser que la police est vigilante, il apprend quand même. Le dans la base de données, nous essayons un élément qui, effectivement, tenait SNGS, c'est depuis son directeur Bruno. Donc Bruno Allé, il n'était plus là. D'accord, Bruno Allé n'était plus là. Mais cependant, il n'y a pas gain avec ni équipe Kounia, ni équipe qui avant, ni équipe qui est avant. C'est-à-dire ni équipe Eudla, ni équipe Magali. C'est-à-dire qu'il était là depuis sous Bruno. Donc ça, nous n'avons pas répondre avec lui. Parce que c'est pour intervenir ce qui trop qu'un même à cœur. Parce que depuis individu à pas dans l'institution avec directeur qui était là avant. Donc nous pensons que nous-mêmes nous pas trop imbriqués dans un tel dossier parce que nous pas jamais un dossier ça devant nous pour nous traiter pour une cause. L'OMS a défini des valeurs, des critères pour pouvoir commencer à vacciner la population. Donc le premier critère c'est l'âge d'abord. Donc on part des 50 ans et plus et aussi les plus jeunes de 18 ans et plus. Maintenant, dans ces critères de priorisation, nous avons aussi les travailleurs de la santé, donc qui sont en première ligne, qui apportent les soins à la population, et également des personnes vivant avec des comorbidités, d'autres maladies, comme on a l'habitude de dire, comme l'hypertension artérielle, le diabète, et puis l'asthme, des maladies et respiratoires. Maintenant, concernant les cibles, déjà tout à l'heure, on a parlé des critères de priorisation. Les critères vont avec des groupes. Donc, je viens de le souligner tout à l'heure. Donc, c'est les travailleurs de la santé, donc les personnes âgées, les groupes avec comorbidité. Et comme c'est un plan qui vise à vacciner 62% de la population haïtienne, donc estimé autour de 7 millions, donc en fonction des catégories, donc, on a un certain nombre de personnes à vacciner. Pour pouvoir mettre en œuvre ce plan de vaccination, donc ça va être fait par phase. Donc, on ne peut pas vacciner tous les groupes en même temps. C'est pour ça qu'on a parlé de critères de priorisation. Il y a tout ce qu'il y a comme disponibilité de vaccins aussi et dans le monde en termes de production. Donc, à ce moment, on aura une première phase. Donc, disons, on va avoir trois phases. Dans la première phase, comme on a vu, c'est lié avec les objectifs qu'on a fixés. On va d'abord vacciner le personnel de santé, les personnes âgées de 50 ans et plus, comme je l'avais souligné, avec les comorbidités, les 18 ans à 49 ans avec les comorbidités. Également, ensuite, on va passer, dans un second temps, à la deuxième phase, avec les personnes âgées de plus de 50 ans, les travailleurs sociaux, donc à risque élevé d'infection, par exemple, les enseignants et les policiers. Et aussi, en troisième phase, nous avons aussi toutes les personnes qui vivent un peu en milieu surpeuplé, donc avec des conditions socio-économiques fragiles, et aussi toute autre personne de 18 ans et plus désirant être vaccinée. Maintenant, par rapport à ce plan, il y a toute, je dirais, une dynamique qui a été mise en place pour que ce plan soit participatif dans son élaboration. C'est ainsi que on est au niveau du pays avec la présidence en termes de gouvernance, il y a la primature, parce que
il y a beaucoup de documents internationaux à signer. Donc c'est le gouvernement qui s'engage par rapport à ces exigences internationales-là. Maintenant, au point de vue technique, pour pouvoir élaborer ce plan, mettre en œuvre le plan, donc, et selon l'approche de l'OMS, on a mis en place un groupe technique de travail national. Et ce groupe technique, comme on voit en haut déjà au niveau du pays, on a une coordination nationale en charge de la réponse contre la COVID. Donc cette coordination est là. Et de chaque côté, nous avons un comité de coordination interagence qui sont nos principaux partenaires qui habituellement soutiennent le programme. Et nous avons un groupe technique consultatif sur la vaccination. Et tout de suite en bas, en vert, donc on va retrouver vraiment le groupe technique. Maintenant, ce groupe technique-là, le directeur général avait lancé les travaux de ce groupe-là au mois de décembre 2020. Donc ce groupe-là, il est constitué non seulement, je dirais, des acteurs de la santé en termes de partenaires du ministère, mais nous avons d'autres ministères comme l'Éducation nationale, le ministère de la Communication, les Affaires étrangères. Nous avons aussi des secteurs de la société civile, comme les associations socioprofessionnelles de la santé. Nous voulons parler de l'AMH, de l'ASFA, de l'UMA, l'Association des pharmaciens d'Haïti, donc, et plein d'autres secteurs. Et la presse aussi fait partie de ce comité. On avait invité la presse dès le départ, avec les associations des différents médias. Donc c'est vraiment la santé publique, les secteurs de la société civile et ses partenaires autour de ce groupe de travail. Et ce groupe est constitué en plusieurs comités. Donc on a un sous-comité qui travaille pour tout ce qui est vaccin, l'arrivée des vaccins, la conservation des vaccins, tout ça. Un autre groupe maintenant qui travaille sur la prestation des activités de vaccination, qui prépare la formation, la supervision, et pour pouvoir vraiment réaliser l'activité de vaccination. Donc vraiment, merci beaucoup. Et le message, c'est on a le vacciné contre COVID-19. Dans quatre démarches que l'État a fait, nous avons cherché tout vaccin qui gagne autorisation de mise en fait, d'utilisation et que dans le partenariat que nous gagnons avec soit des pays ou bien des organisations, nous sommes capables de joindre. Donc, si vous voulez citer non, nous sommes capables de faire ça, mais nous ne pouvons pas rentrer dans non. Même capable de dire que dans des démarches, nous gagnons particulièrement quatre types de vaccins que nous avons cherché. Nous gagnons un vaccin que la compagnie Pfizer fait. Nous gagnons un vaccin que les Johnson & Johnson, un vaccin AstraZeneca et un vaccin Moderna. Donc, en gros, c'est quatre types de vaccins que nous ciblons et nous gagnons de bons espoirs que nous avons gagné une quantité dans chaque pour nous mettre à disposition de la population. Et nous ne pouvons pas rentrer dans le débat sur l'effet secondaire parce que nous sommes capables de dire que nous n'avons pas gagné vaccin qui n'a pas gagné effet secondaire, que ce soit vaccin ordinaire qu'on prend pour la rougeole, en tout cas diphtérie, n'importe qui ça, il y a quelques petits effets secondaires. Et même pour la plupart des effets secondaires qui sont assez sérieux. Tout ça a dit de vaccin, c'est des chercheurs, des cliniciens, des gens qui font de grandes recherches sur eux qui jouent. Mais ça pour nous, ce n'est pas tellement effet secondaire là, c'est tout effet bénéfique qu'un vaccin a gagné. Parce que même un médicament que vous prenez en pile médicament, sous l'hyprospectus médicament, des fois, les effets secondaires qui est écrit sur papier, ils comptent plus que les bénéfices médicaments prend, mais on prend médicament quand même. Donc ça dépend de qui ça va chercher, qui ça va défendre. Donc, nous parlons de rumeurs, effectivement, en rumeur était ça, je voulais dire, n'est pas forcément un bagage qui est vérifié. Certaines fois, malheureusement, il n'est pas forcément un bagage qui n'est pas vrai, mais il était en rumeur, donc il faut que nous considérions le boussalier. D'où l'importance pour les gens qui gagnent bonne information, les gens qui gagnent information qui scientifiquement prouvée, pour les gens qui faire une plus large diffusion possible d'informations, pour couvrir les rumeurs, surtout les rumeurs négatives. Un vaccin, pas jamais considéré comme un médicament pour traiter un problème. Donc, autrement dit, un vaccin pas entraîner guérison. Vaccin,
c'est un bagage qui rentre dans la prévention. Prévention, il y a plusieurs niveaux et il y a plusieurs types de prévention. C'est vrai que les gens qui prennent le vaccin, jusqu'à présent, spécialistes ont dit, ça ne peut pas empêcher que si vous ne protégez pas tête ou bien sont en contact avec des gens qui sont même infectés ou capables d'infecter. Mais c'est vrai tout que vous dites, même si vous êtes infecté après qu'on finit pour un vaccin, chance pour développer une maladie qui est grave, les pipiti, que si vous n'avez pas de vaccin. Il y a même des détails qui allaient plus loin qui disent que même lorsque vous prenez maladie déjà, si protection que le bas ou un, si après un certain temps, on vient prendre une dose de vaccin, protection vient augmenter par rapport à la maladie. Donc autrement dit, même pour les gens qui t'ont rencontré avec le virus là déjà, qui t'ont fait maladie, ce n'est pas une raison pour ne pas prendre vaccin, etc. Ça me va le dire, qui n'a pas fait un peu de plaisir, mais c'est parce que les gens pas lu notre là en profondeur avant de réagir. Ou bien le premier monde qui lit notre là. Pour une raison ou pour une autre, les grandes réactions, et puis par la suite, il y a des réactions qui viennent en chaîne, sans pour autant que Mounio n'a pas lu notre langue. Et notre langue, en clair, n'est pas bail autorisation à secteur privé lucratif, là, c'est-à-dire commercial, là, pour lui rendre vaccin pour le vendre. Il était plus de gagner visé pour le mettre l'ordre. Dans une situation qui a commencé à développer, qui a attiré l'attention. On connaît, je veux dire, ce n'est pas un secret pour personne, qu'il y a deux groupes de monde qui ont rentré dans la logique pour voir si on est capable de faire le vaccin rentrer, pour y a vacciner dans un couloir qui tout à fait, je ne dis pas régulier, mais qui n'est pas répertorié. Donc, et dans le ministère, nous avons recevoir un pile de demandes. D'associations, particulièrement d'associations à but non lucratif, si vous voulez, qui te voulaient une autorisation pour faire rentrer vaccin, soit pour vacciner personnel ou bien pour vacciner des groupes qui travaillent avec eux. Donc, comme ministère, comme l'État, nous te dit que ce n'est pas possible pour avoir une bonne affaire avec 10, 15 personnes qui ne sont pas habitués dans le problème médicament ou bien dans le programme médicament ou bien dans le programme vaccin. Pour chaque monde qui a une autorisation pour rentrer 200 doses, 300 doses non valises et qu'on n'a pas de contrôle, il a fait notre sortie pour mettre en contrôle ce bagage. Seul problème que Mounio vient identifier, il a identifié seulement, il a mis accent seulement sur le côté ministère, il a dit que si un monde a gagné capacité, ou gagné contact, ou gagné moyen pour faire vaccin rentrer, ou capable. Mais vous ne pouvez pas garder quand il dit, mais il faut qu'on respecte 1, 2, 3, 4, 5. Yo. Et si vous gardez dans ça, vous demandez pour respecter, moi même si je suis un entrepreneur, je ne peux pas rentrer là-dedans. Parce que pas quel moyen pour te rentrer vaccin non but commercial dans ça. Si vous gardez ça, vous demandez pour faire là. Notre note est sorti plus non but pour mettre réglementation, pour te régulariser la question. Si je dis, ils disent que si pour faire vaccin rentrer, faut avant même que vous ayez autorisation pour bailler capacité ou pour recevoir, pour stocker, pour conserver, pour distribuer, etc. Donc, à faire des bagages, faux vaccin, vaccin mal conservé, n'est pas d'actualité parce que automatiquement pour pas bailler pour faire ça, il n'y a pas d'autorisation. Parce que c'est pas un monde qui prend l'acheter un vaccin et puis l'élève dit nous mais ça le joint comme vaccin pour nous autoriser le bailler. Son monde, avant même qu'elle soit rentrée dans la logique de faire vaccin rentrer, hein, toute structure qui concerne le ministère, tu as étudié tout papier que le poser, tout salibaï comme garantie, puis tu as dit oui ou non, monde ça rentrer là-dedans. Et il n'est pas seulement concerné, ou bien il n'est pas concerné presque du tout, des gens qui ont besoin de faire rentrer vaccin pour vendre vaccin. Vaccin, il est supposé gratis, et même le. C'est un secteur privé qui t'a voulu bailler parce que ce n'est pas tout secteur privé qui voulait dire commerce. Bon, bagage pour nous ne pas confondre, c'est le privé et le lucratif. Une association privée qui doit non distribution vaccin ou bien non bail vaccin, alors que ce n'est pas comme la faire avec elle. C'est dans le cadre de partenariat public-privé qui doit aider le ministère ou bien la supporter dans nos activités. Voilà, et merci avec tout le monde qui est branché pour t'attendre des informations.
En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable de joindre nous. Son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.